Ouais. Je suis content que t'aies accepté de venir prendre un café avec moi. Fallait que je te parle de quelque chose. Moi puis Rachel, c'est fini. Je sais pas. J'y comprends pas plus que toi. Je pense que ça a commencé il y a... Ça fait un bout. Elle me disait toujours qu'on... On avait de la misère à se comprendre, que... Que quand elle me parlait, j'y faisais la sourde oreille. En comprenant rien. Au début, quand elle m'a annoncé qu'on n'était plus ensemble, j'étais bouche bée. J'étais sans voix, honnêtement. J'avais envie de crier, de hurler pour que tout le monde m'entende, mais à chaque fois que j'essayais, il n'y a rien qui sortait. C'est comme si t'es pris en dedans. Ouais. Bon, ça a été un coup dur quand elle m'a annoncé. J'imagine. Ça me fait penser, par exemple. C'est moi puis Louis aussi, on a eu quand même des problèmes au départ. Ça a commencé quand que il me parlait de ses intérêts, sa passion, de la musique. Je sais pas pourquoi, ça m'en rejoignait pas tellement, ces choses-là. J'ai entendu que j'avais de la misère à connecter avec ça. Puis après, on s'est chicané un peu. Puis finalement, on a trouvé des trucs. On s'est dit les vraies choses. On a appris à faire des compromis avec ça. Puis on a commencé à s'envoyer des petits mots. Puis on se donnait des petits mots. Ça a vraiment aidé la communication dans notre couple. Puis depuis ce temps-là, notre couple est vraiment plus pareil. Ben, merci, Jeanne. Je le savais que je faisais bien de venir t'en parler. Je trouve ça le fun parce que il y a juste toi qui peux me comprendre comme tu me comprends. Tu sais, je suis pas capable de me faire comprendre par les autres autant que par toi. Je trouve ça vraiment spécial. Mais c'est la même chose pour moi. Pour vrai, t'es vraiment un bon ami puis j'aime vraiment la connexion qu'on a entre nous deux. Merci, ça m'a vraiment fait du bien, un petit café. Moi aussi.